Bonjour à tous, Et bonjour. c'est Lolodile. Donc, qui dit samedi dit rando. Voilà, donc on est parti pour. Enfin, d'abord, je vais déjà vous dire où est-ce qu'on est. Nous sommes à Freycinet-le-Gela, donc à une vingtaine de kilomètres de Cahors. Donc, nous sommes d'Haussé-Millié, 22,5. Voilà, on va couper un poire en deux. Donc, nous sommes à Freycinet-le-Gela, donc un Avec le petit soleil. village. Donc, vous voyez derrière nous dans le ciel un grand soleil. Bon, c'était gelé ce matin, la voiture. On a gratté. Là, il fait 5-6 degrés. Donc, on est parti pour 8,5 km avec un dénivelé, je crois, de 180 mètres. Donc, ça va. Ça va. Des petites randes. Vu C'est qu'on pas en a fait pareil. une vendredi, une mardi, et donc aujourd'hui, voilà. Récup, mais bon, sortie nature. Ah ouais. Donc pourquoi Freycinet-le-Gela? Ben, tout simplement, Freycinet, donc dans l'ancien langage, enfin, c'était Freycinou avec un X, qui voulait dire forêt de frêne. Et le Gela, ben, la gelée. Donc c'est un endroit qui est assez. Enfin, comment dire, en courant d'air, donc il y a beaucoup de gelée et beaucoup de bois de frêne. Ceci sont les explications de l'origine de Freycinet-le-Gela. Loup gélat. Alors, ce que vous entendez là, tac, 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 Un gros pivert. c'est un pivert. Alors, je vais essayer de le choper avec l'appareil photo, mais c'est On le pas voit évident. pas. Donc, là, on est parti, on a fait 1,2 km parce qu'on voulait faire la partie de la côte. Puisque, comme d'habitude, on commence par On les côtes. commence par les côtes. Bon, là, ça va, c'est Chaud, du ça faux va, plat c'est chaud, montant. mais Ça, bon, en fait, on monte depuis ça tout à l'heure va. depuis le village, mais c'est C'est léger. progressif. Voilà, il n'y a pas un gros pourcentage. Donc, Ça nous va très bien. comme il y a deux côtes, surtout le parcours, donc bon. Ça devrait aller. On reviendra, je vous montrerai la jolie église qu'il y a dans Freycinet, le petit plan d'eau. Bon, elle n'est pas sur notre randonnée, petit plan d'eau, mais on ira. Puisque c'est à côté du. C'est dans le village. Voilà. Oui, j'arrive. Bon, le pivert m'appelle. Le pivert, comme disait. C'était dans quel film? Rabbi Jacob, je crois. Oui, voilà. Très bien, bon, écoutez, on va continuer. Prendre des photos, marcher aussi, c'est le but. Voilà, profiter de la nature et du magnifique temps qu'il fait en ce moment. Et on vous dit à tout à l'heure. Allez, bisous À les amis. plus. Et vous voyez derrière nous. La jolie petite gariotte. Et voilà. Allez, bisous. Voilà, donc on arrive d'en bas, et on va de là, et on va là-haut. Donc là, on n'est pas tout à fait à mi-parcours, on a fait 4 km sur les 8 km secs, mais
nous avons trouvé ce petit coin. Vous voyez, il y a les petits sacs, les bâtons, le café, les petites barres de céréales. Donc on n'est pas trop mal. Donc c'est la pause barre de céréales. Inéluctable, enfin. Oui, on en fait une à chaque fois. Quand on fait des grands parcours, même des fois, on en fait deux. Quand on fait 14-15 km, de toute façon, on marche. On a les sacs, donc on se dépense en calories. Donc il faut compenser en calories. Donc là, sur la randonnée, vous écoutez ceux qui font des randonnées. Des mois et des mois, ils bouffent du chocolat, du saucisson, enfin des trucs bien caloriques, histoire de récupérer les calories que vous dépensez. Alors là, les calories, c'est en fonction à peu près du poids de chacun. Voilà. Donc moi, je fais 110 kg, Audi, elle en fait 60, donc on ne dépense pas le même nombre de calories. Elle en dépense. Elle en dépense par rapport à sa morphologie. Et moi, quand je regarde les applications, bon, puisqu'on met des applications pour voir à peu près où est-ce qu'on en est sur la randonnée et tout en termes de kilomètres et tout ça, et de je vais y arriver, et combien on a fait en côte ou etc. et tout. En gros, moi je dépense 100 calories du kilomètre, donc si on fait 10 km, je dépense 1000 calories. Voilà, pour vous dire, quand on a fait la randonnée de 20 km, ben c'est 2000 calories, le Verdon c'était 1700 calories, etc. Voilà, ça dépend. Et de la difficulté aussi du parcours. Voilà. Donc en gros, aujourd'hui, bon, c'est pas un chemin très très compliqué, très difficile. Bon, c'est du beau chemin, dans les belles forêts. Tout à l'heure, on était dans une forêt d'épicéas. La forêt, donc c'est sympathique, on en profite. Ouais. Donc c'est pas très difficile, mais bon, même s'il n'y a que 180 mètres de dénivelé positif, et bien. À l'arrivée, moi, ça va me faire à peu près 800 calories, donc il faut compenser. Voilà. Après, ben, on refera des vidéos, parce que les barres de céréales, on va les faire nous-mêmes. Donc, là, pour l'instant, je les achète chez Decathlon. C'est des barres énergétiques qui sont très bien. Ça nous donne un petit coup de fouet, et voilà. Les nouvelles. Hihi. Elle se cachait. Et voilà, elle se cache plus maintenant. On la voit. À tout à l'heure, on va boire le café. Bisous. Bon, il y a des pâquerettes partout. Je pense que je vais courir tout nu dedans, le pré de pâquerettes, et me rouler dedans. Alors, c'est une randonnée nature, hein. Vous l'avez dit, mais c'est vrai, hein. Mais juste qu'en montant, on n'a pas fait gaffe, on a loupé un bout, donc il a fallu qu'on récupère le chemin par une petite route de campagne. Ouais, en côte, on ne discute pas trop quand même. Hein. Voilà, il y a le trait jaune, on s'est retrouvé. Donc voilà, il y a des cordes depuis ce matin. Hein. Ouais. On n'est pas trop mal. Et du fait qu'il n'est pas trop tard. Bon, après on est un peu habitué, nous. Hein. Je pense qu'on va manger au lac. On ne va pas manger sur la randonnée, parce que là, il nous resterait environ 1 km et quelques. Donc, je pense qu'on va manger au lac. Voilà. On commence à revoir la vie. La civilisation. Il y a des maisons. Oui. Heureusement qu'il y a un stabilisateur là-dessus. Heureusement qu'il y a un stabilisateur. Vous n'avez pas vu que j'ai failli me casser la figure. Bon allez, on se retrouve au bord du lac. Bisous. Bon, j'ai trouvé les tongs, mais je ne sais pas qui elles appartiennent. Hein.
assez courageux. Je l'ai même pas vu. Oui, un peu fraîche. Ouais, un peu, ouais. Coucou. Et bonjour. Voilà. Oui, bonjour. Donc, oui. Bonne nuit, bon après-midi. Sous vos applaudissements. Non, on n'est pas dimanche. Jacques Martel n'est plus, malheureusement. Donc, randonnée terminée. Donc, comme vous l'avez compris, on a fait le repas donc, autour du lac de Freycinet-le-Gela, le petit plan d'eau. On a terminé de manger, donc on va rentrer. Donc, on a fait 8 km 96 en 2h15 à peu près. Et comment on a fait une petite bifurcation, puisque on n'a pas suivi le traçage. Donc, du coup, on a fait 280 mètres de dénivelé. Bon, de toute façon, on a l'habitude. Voilà. Ça allait, donc sorti de 2h15, ça fait du bien dans la nature. On n'aurait pas fait cette bifurcation, honnêtement, on n'aurait eu quasiment pas de petites routes de campagne. Mais vous savez, les petites routes pour aller chez les gens, quoi. C'est pas des routes où il y a des voitures. Hein. Je crois qu'on en a vu qu'une à 8 km. Donc, comme d'habitude, eh bien, on n'a vu personne. Et voilà. Donc nous allons rentrer, je vais aller faire des photos au lac de Catus parce qu'on n'a pas eu le temps la dernière fois, parce que là il est 2h de l'après-midi, donc tout va bien. Mardi quand on a fait la randonnée à Catus, donc je n'ai pas pu prendre les photos du lac, car il fallait être à la maison avant 6h. Voilà. Un peu coincé par le temps. Là ça va, on a de la marge. Là on a de la marge, donc on va aller prendre des photos du plan d'eau, vous les verrez dans l'album photo. Que je posterai sur Facebook. Et puis c'est tout. Sinon, vous inquiétez pas, je vais bien. Ma petite roulade dans les pâquerettes tout nu s'est bien passée. Un peu venteuse, certes, mais ça a été. On dira que la rosée et la gelée matinale m'a raffermi le corps. Oh, quel mot, hein, je deviens. Donc, on vous dit à bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur les vidéos. C'est très important pour nous. Ça nous encourage à continuer à faire d'autres vidéos. On parcourt le département. On essaie d'aller dans les petits villages. On essaie de trouver des petites randonnées sympathiques, des paysages complètement différents. Voilà, déjà, c'est différent pour nous. Je signale que cette randonnée est accessible à tout le monde. Oui. Familial, on peut même y aller avec des enfants, bon ça il y a des côtes, mais bon ça c'est pas très grave, mais c'est accessible à tout le monde, hein. Donc, aucun souci là-dessus, comparé à celle des gorges du Kaila, où là il y a une dame qui est sur ma page photo qui m'a demandé si elle pouvait venir avec un pupitre et tout pour peindre la cascade. Alors oui, on en a pris plein les yeux, mais plein les jambes aussi, et on est monté là les talus. Je suis censé avoir le vertige, enfin j'ai le vertige. Et bon, on est quand même passé à des endroits où il n'y avait que mon pied qui passait. Et vu les vents qu'il y a eu dernièrement, on marchait dans les feuilles complets, donc on ne voyait rien. Il fallait vraiment avec le bâton de marche. Tâter. Voilà. Sûr qu'on ne dévale pas. Donc, n'oubliez pas de liker les vidéos sur YouTube. C'est important pour nous, pour qu'on soit vu. Comme ça, les vidéos sont mises un peu plus en avant sur la chaîne. Donc, c'est très bien. Et nous, on continue. Si ça vous plaît, bien sûr. Et on vous dit donc au week-end prochain. Donc on ne sait pas encore, samedi ou dimanche. On verra. Selon le temps. Voilà. Allez, bonne semaine. À bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao.